rencontré avec une petite là-bas. Je lui dis, je m'en fous aussi. Tu es dans mon champ, mon frère. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu es dans mon champ, mon frère. Une petite là-bas. Ouais. Tu n'es pas venu ici au hasard, tu viens pour travailler. J'ai demandé au peuple de Guinée, à la population de Conakry, de consacrer le dernier samedi de tous les mois au nettoyage de la ville. Nous sommes donc sortis massivement, comme vous le dites, pour nettoyer notre quartier. Nous avons conscience que sans la salubrité, notre santé n'est pas garantie. Nous sommes donc au débout ce matin et c'est l'occasion de dire grand merci à l'autorité du quartier de Kipé qui était matinalement chez moi à mon appel, à la jeunesse de Kipé qui s'est fortement mobilisée, mais également dire merci au chef de l'État, au président de la République et au Premier ministre pour cette belle initiative qui nous forge à l'esprit citoyen, à l'acte citoyen, dans notre propre intérêt, puisque notre santé nous concerne nous d'abord avant les autres. Nous sommes maintenant au centre émetteur. Dites-nous où les travaux ont commencé avant d'être là. Nous avons commencé les travaux au niveau du pont Kakimbo. On a fait tout le long, en passant par la mosquée dont on a nettoyé la devanture, jusqu'au centre émetteur. Nous avons pu trouver quelques équipements, quelques brouettes, des pelles, des gants, des gilets, comme vous le voyez, pour donner à nos concitoyens afin de leur faciliter ce travail. C'est un travail citoyen avant tout. Okay. Monsieur le ministre, beaucoup ont loué vos efforts dans le cadre de l'assainissement, excepté le cadre gouvernemental. Est-ce que le ministre va initier en sa personne des activités d'assainissement à Kipé? Je me sens dans ma propre famille à Kipé. Côté ce quartier depuis que j'étais au collège. Me retrouver avec mes voisins, avec la jeunesse du quartier, c'est un bonheur. Nous sommes ensemble, on se concerte, on fera en sorte que ce acte soit pérenne, que chaque fois et de façon périodique, on puisse se rencontrer, se mettre ensemble pour nettoyer d'abord dans notre maison et aux alentours de notre maison, afin que notre quartier soit propre et un modèle dans la Guinée de Conakry. Merci monsieur. Merci. Je vous dis merci pour cette forte mobilisation ce matin. L'acte que nous avons posé est un acte citoyen. Nettoyer chez nous et chez nos voisins, ça contribue au maintien de la santé publique. Ce mérite vous revient. Nous remercions également l'autorité du quartier. Depuis le matin, ils sont à pied d'œuvre. Mais également au coordinateur de jeunesse. Nous sommes mobilisés depuis le matin. La main dans les ordures pour nettoyer, afin que notre quartier soit propre, afin qu'il soit un modèle à travers Conakry. Je souhaite donc qu'on se donne la main, qu'on pérennise ce taxe citoyen comme le gouvernement l'a demandé, en nous mobilisant chaque fois que cela est nécessaire pour nettoyer notre quartier. Je profite donc de l'occasion pour
remettre ses modestes équipements, ses brouettes, ses balais, ses gants à l'autorité du quartier. À chaque sortie, à chaque programmation des journées de nettoyage, que ces poubelles puissent être mises à produire pour nettoyer notre quartier. J'ai trouvé également une modeste enveloppe, ce n'est pas pour vous payer, ce que vous l'avez fait pour vous, vous l'avez fait pour vos concitoyens, vous l'avez fait pour la Guinée, vous l'avez fait à l'appel du gouvernement. Donc cette modeste enveloppe, c'est pour vous permettre de vous laver les mains. Parce qu'ensemble, on a mis la main dans les mains, ça mérite qu'on se lave les mains. Merci et nous sommes à votre disposition. Merci, merci, merci.